Bonjour les amis. Bienvenue à apprendre Xiangqi, qui est appelé échec chinois. Je m'appelle Yu Tangjiang. Dans cette série, je vais vous présenter comment jouer au Xiangqi pour les joueurs débutants. Cette vidéo est sur les bases de Xiangqi. Alors, nous allons commencer notre sixième leçon. Dans cette leçon, je vais vous montrer le mouvement du tour. Les tours sont marqués du pour les noirs et les rouges. Ils sont initialement posés dans le coin du plateau. Comme la tour des échecs occidentaux, le tour prend le long d'une ligne droite verticale ou horizontale, mais il n'y a cependant pas de possibilité de roc avec son roi. Alors, on va y commencer à se pratiquer. On doit mettre le tour à l'étoile. Exemple. Le tour doit aller à droite pour avoir l'étoile. Et là, on va se pratiquer. Première. Il doit aller droit devant lui pour avoir l'étoile. Deuxième. Il doit aller à gauche pour avoir l'étoile. Troisième. Il doit aller en bas pour avoir l'étoile. Quatrième. Il peut monter jusqu'à la même ligne que l'étoile et après aller à sa place. Et cinquième. Il peut descendre à la même ligne que l'étoile. Et après, aller à sa place. Après avoir appris cette leçon, j'espère que vous comprenez mieux au mouvement du tour. Est-ce que tu l'as? Continue d'essayer et de pratiquer. Rendez-vous dans notre prochaine leçon, mouvement du canon. Merci.